Alors, deuxième partie de ce cours 11e sur l'école. J'aurais précisé tout à l'heure, c'était peut-être pas assez clair, sur ce fait de la vie de raison. Il faut revenir pour expliquer une chose, bien expliquer, il faut toujours partir de la fin, revenir à la fin et partir d'elle. Qu'est-ce que la fin de l'homme? C'est Dieu, on l'a vu. Dieu, l'homme cherche le bonheur et son cœur est fait pour l'infini. Hein, il n'y a que Dieu qui est infini, il n'y a que Dieu qui peut combler son cœur. Et Dieu nous appelle à une vie d'amour, de connaissance et d'une vie d'amour avec lui, pour parler le langage courant, le langage à l'extérieur, si on peut dire. Et cette vie d'amour suppose une connaissance, parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Nil volitum, nisi preconitum en latin. Et c'est pourquoi l'essentiel de notre vie chrétienne doit être ce regard, donc par Jean Nojat, de connaissance et d'amour. Pardon. Alors on parle d'incorporation. Là, c'est ce mot-là qui m'ennuie un petit peu, parce que bon, je reprends le programme de Jean Dujardin, donc je suis son... C'est tout à fait vrai, il y a l'idée d'incorporation, puisque Jésus, à un moment donné, on en a parlé, parle de « je suis la vigne », il dit « je suis la vigne et vous êtes les sarments hein. ». C'est bon, c'est le corps d'une plante, mais on peut aussi comparer, il y a d'autres comparaisons, avec un corps humain. Saint Paul en parle. Pardon. Mais l'idée, c'est que il y a une, en effet, pardon, pour l'infini, en effet, pour découvrir Dieu qui est un être extraordinairement beau, grand, qui répond à tous nos désirs. Et bon, comment allons-nous atteindre, entre guillemets, cette fin? Eh bien, en nous unissant à lui, en nous unissant dans une union d'amour. L'amour tend à l'union, hein, vous le savez. Et cette union d'amour est à vivre en esprit. Il n'y a pas de corps, Dieu n'a pas de corps. Et dans l'esprit, et cette union, donc, Jésus l'a traduit par le terme corps, faire partie du même corps. Enfin, il ne dit pas le mot peut-être, mais il donne l'idée qu'on doit tous faire partie d'un même corps et recevoir notre sève de lui. C'est aussi un grand don de Dieu de nous unir à lui comme ça, de manière à ce que nous fassions plus qu'un, nous tous ensemble, tous ceux qui ont choisi, qui ont accepté ce programme de Dieu, programme d'amour, et qui veulent vivre avec lui, tous ceux qui ont accepté sont appelés à vivre tous ensemble, unis avec Dieu, dans une union extraordinaire dont on n'a pas idée. Hein, pour vous donner une autre image de cela, on est appelé à découvrir Dieu. comme c'est notre but, on est appelé à le rencontrer. Et ça ne serait pas, bon, il y a ce qu'on appelle la béatitude, c'est-à-dire qu'on toute la vie on contemplera Dieu. Hein, Jésus le dit même, hein, la vie éternelle c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ, dans Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. Mais Dieu va au bout de ses dons, il ne reste pas à moitié, et l'amour l'exige aussi, entre guillemets, d'une certaine manière, c'est que cette rencontre, cette contemplation, va se passer dans une union extraordinaire. Il va y avoir une fusion qui commence déjà sur cette terre entre Dieu, objet d'amour, et être extraordinairement beau et incroyablement parfait, qui a toutes les perfections à l'infini. Donc vous voyez, pour recadrer un petit peu ce que j'ai peut-être dit, peut-être pas assez bien dit dans cette première partie de ce cours, voilà, donc incorporation, ça veut dire on est appelé à une incorporation. Bon, on l'avait dit déjà, on avait déjà parlé de ça dans les cours précédents, mais à chaque fois il faut réactiver
la chose. Donc voilà, incorporation. Donc regard, oraison, regard de connaissance et d'amour. Donc il commence cette union avec Dieu où on doit entrer dans cette incorporation avec Jésus, avec tous nos frères qui s'appellent l'Église, la vraie Église, hein, l'Église qui est au fond du cœur de chacun et qui nous unit au plus profond de nous-mêmes avec Dieu. Doit commencer déjà ici-bas sur terre, et c'est pourquoi les grands saints ont fait beaucoup d'oraisons. Je crois que saint Vincent de Paul, on dit qu'il faisait 5 heures d'oraison par jour, et moi c'est ce que je fais aussi en fin de compte, à peu près, y compris la messe et tout, sans compter qu'on essaye de prier, on essaye d'être toujours toute la journée unis à Dieu, comme à la Sainte Vierge qui, on dit hein, dans l'évangile, garderait toutes ces choses dans son cœur et les méditait, ben, c'est ça l'oraison. Et donc nous sommes appelés dès cette vie à vivre de l'oraison, déjà pour commencer ce cheminement, cette union avec Dieu. Et puis aussi, c'est ainsi que notre mission, notre travail sur la terre aura la plus grande efficacité. On en a parlé aussi. Voilà, donc alors, deuxième partie de ce cours sur l'éducation. Alors, quel est. Et d'abord, donc on disait avant cela, ce qui a la plus grande influence, le plus d'influence, qui prend la majeure partie. Oui, c'est l'éducation, c'est le temps passé, on disait, hein, à l'école qui prend le plus de temps dans l'éducation. Et puis on disait, on peut déjà regretter que ces institutions ne s'occupent dans l'éducation, dans la plupart des cas, que de l'instruction. Hein. Alors que l'éducation, vous avez compris, ça concerne aussi principalement, et principalement la formation de l'homme pour qu'il soit vraiment un homme. Hein. Alors que l'école, c'est plutôt Bon, il y a ça aussi, mais l'accent est plutôt donné, c'est nécessaire, hein, pour que l'enfant, l'être humain, acquiert une bonne place dans la société, une place politique, économique, familiale, etc. Vous voyez? Mais voilà. Alors, et d'abord, quelle est la nécessité et la raison d'être de l'école? Eh bien, on l'a compris, c'est l'insuffisance des parents à mener à bien toutes les tâches de l'éducation. Je ne sais pas si vous aviez réfléchi à ça. D'abord, par manque de temps des parents. Dans la plupart des cas, le père passe une grande partie de la journée à l'extérieur à gagner le pain de la famille. Bon, ça, c'était à une époque où on avait des familles à peu près normales. Bon, on va en reparler. La mère, bien souvent, maintenant, travaille aussi à l'extérieur quand elle n'est pas occupée par les plus petits à la maison, qui demande un soin de chaque instant, ce qui lui laisse peu de temps pour les plus grands. Alors à propos des mamans qui travaillent à l'extérieur, on peut dire que c'est un grand désastre pour la famille. Vous allez comprendre pourquoi, vous n'êtes sûrement pas d'accord, parce que maintenant tout le monde est d'accord avec ça. Mais on explique. Mais peut-être vous l'avez compris quand même, ça pose d'énormes problèmes. Nous avons compris maintenant que l'éducation est la plus belle et la plus grande œuvre à accomplir sur la terre, hein, si vous avez bien suivi les cours précédents, puisque c'est former l'homme de manière à ce qu'il devienne vraiment un homme, hein, un homme accompli dans toutes ses dimensions, avec toutes ses richesses que cela comporte. C'est former la société de demain, qui peut être très belle, parce que l'homme a de fantastiques possibilités. S'il est bien formé, ce qu'on prend le temps de voir dans ses cours. Or, aujourd'hui, pour la femme, aller travailler à l'extérieur et laisser le soin des enfants à des étrangers qui n'auront pas tant à cœur leur éducation, pas tant d'amour dont ils ont tant besoin, parce que ce ne sont pas les leurs, et accomplissent cette tâche pour de l'argent. C'est pour les parents abandonner la plus belle œuvre au monde pour aller en accomplir de bien moins importantes. Vous voyez, ça, c'est une ruse du démon, ça. Je n'hésite pas à le dire très haut et très fort. Le travail de la femme à l'extérieur, c'est une ruse du démon. Parce que, et vous allez comprendre pourquoi, vous l'avez peut-être déjà compris,
Ce qu'on vient de dire, c'est que la plus belle tâche et la plus belle œuvre au monde qui se réalise, c'est l'éducation des jeunes, l'éducation des enfants. Et elle ne peut pas être mieux donnée que par les parents et par la maman. Bon, le papa aussi, mais c'est surtout la maman qui est faite, hein, il faut le dire. C'est elle qui est plus à l'aise dans la maison, enfin qui était, parce que malheureusement on est en train de perdre tout ça. Et vous voyez, la ruse du démon, c'est quoi? C'est nous faire croire que la femme, elle est enfermée, qu'elle est claustrée, qu'elle est réduite à l'esclavage, qu'elle est dans l'obscurité, en retrait, dans la maison, alors que l'homme va à l'extérieur, elle est close, elle est fermée à clé, etc. Et la révolution, maintenant, liberté, hein, avec mai 68 et tout le machin, puis même avant. Et il faut libérer tout ça, il faut que la femme ait tous les droits, il faut qu'elle puisse sortir, il faut qu'elle puisse s'accomplir, il faut qu'elle puisse travailler, il faut qu'elle puisse gagner de l'argent, il faut qu'elle ait son indépendance. Mais ça, c'est une bêtise sans nom, parce qu'est-ce qu'elle va aller faire à l'extérieur? Elle va aller faire un travail pour des étrangers, pour gagner de l'argent, qu'elle va ramener à la maison, puis elle va faire quoi avec cet argent? Elle va payer, ben d'abord elle va payer la crèche pour les enfants, parce qu'il faut bien que quelqu'un garde les enfants. Et puis deuxièmement, toute tâche qu'elle pourra faire à l'extérieur, ça sera moindre que l'éducation d'un être humain qui non seulement est être humain pour lui-même, mais aussi qui est un élément important de la société future, de la société de demain, vous voyez. Et ça, c'est laissé à l'abandon. C'est laissé aux crèches, c'est laissé à l'école. Alors, je ne dis pas que l'école, c'est pas mauvais, on va en parler, c'est une très bonne chose. Mais elle n'est pas capable, et puis elle n'est pas. elle n'a pas les capacités, elle n'a pas les. Elle n'est pas faite pour remplacer le rôle des parents et principalement de la maman. Bon, je parle dans le cas normal où l'enfant est le fruit de l'union d'amour des deux parents, comme on en a parlé, hein, pour un enfant qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Bon, bref, vous voyez. Et alors c'est vrai que cette tâche à la maison, c'est un peu humiliant pour la femme, parce qu'elle n'est pas mise en valeur. Mais la femme n'est pas faite pour être mise en valeur. La femme est faite, il faut se rappeler aussi, pour nous chrétiens, qui ça m'appelait être chrétien, si vous rappelez, dans la Genèse, à la création, et ça c'est la parole de Dieu, et c'est la volonté de Dieu, et ce que dit Dieu, c'est la Dieu est créateur de la nature, hein, et de laquelle on ne peut pas s'écarter, sans grave dommage. Dieu donna la femme comme aide à l'homme. La femme est une aide à l'homme. La femme est égale à l'homme en tant qu'être humain, elle a toutes les qualités de la nature humaine, tout ce qu'on a vu en première année, elle a la même dignité, mais elle est faite pour être une aide à l'homme. Et de ce fait, c'est comme ça qu'on a dit que le père était chef de famille. Et il faut comprendre aussi tout ça dans l'amour, dans la sagesse de Dieu, pas comprendre ça comme le père qui va être l'homme, qui va être... Vous voyez, qui va être esclavagiste, hein, qui va prendre sa femme pour la dernière des esclaves et lui faire accomplir les tâches les plus basses et puis la considérer comme un être, même pas comme un animal des fois, vous voyez, ce qu'on a dans certains pays des fois. C'est une union à vivre dans l'amour et le respect extraordinaire de la dignité de chacun, où l'homme va respecter la dignité de sa femme et toutes ses qualités merveilleuses de femme. Les qualités d'une femme, c'est fantastique. Et de l'homme aussi, d'ailleurs. Vous voyez, un amour extraordinaire des deux. Et puis, ça va se passer. Et ça va bien se passer. Il ne va pas y avoir de frustration, parce que là, c'est dans la nature. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et quand Dieu, je répète, quand Dieu l'a dit, ça s'inscrit dans la nature. Et aller dans le sens de la nature, c'est être heureux. C'est aller dans le sens du bonheur. Et aller contre la nature, c'est aller dans la destruction. Du côté de la destruction de la nature, et donc dans le sens contraire du bonheur. Voyez. Alors il faut retrouver ça, bon, pas
en prenant modèle sur tout ce qui a été vécu avant, parce que c'est vrai qu'il y a eu des abus, mais comme dans tout, il y a des abus, dans toute bonne chose, il y a des abus. C'est pas parce qu'il y a des abus qu'il faut supprimer la chose. Vous voyez, on revient toujours à l'adage. Abusus non tollit usum, c'est-à-dire l'abus n'enlève pas les âges, c'est-à-dire que là, c'est comme on est en train d'éjecter, il y a un moment déjà, on éjecte l'intelligence, le non-intelligence, ça fait hérisser les cheveux. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des abus d'intelligence, pas parce qu'on s'est si mal servi de l'intelligence pendant beaucoup de temps, qu'il faut la rejeter elle-même. L'intelligence est une très bonne chose, c'est une merveilleuse chose, c'est même la plus haute faculté de l'être humain. C'est l'œil de l'âme avec lequel on va contempler Dieu pour l'éternité. Et abusus non tollit usum, donc c'est pas parce qu'il y a eu des mauvais exemples de vie où la femme était considérée comme moins que rien. Il y a eu aussi des très belles réalisations où la femme était considérée comme elle devait être considérée, qui était même des fois celle qui commandait dans la maison. Et puis l'homme, hein, ça dépend aussi après des caractères de chacun. Et, comme on disait, c'est elle qui part à la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Hein. il y a des histoires assez amusantes là-dessus. Bon, on n'a pas trop le temps de les raconter. Mais vous voyez, ce qu'il faut. Et la femme, même de toute façon à la maison, c'est pas parce qu'elle est à la maison qu'elle va rester enfermée dans la maison toute la journée. Elle peut aussi avoir une action extraordinaire depuis sa maison, sur tout l'entourage. Et c'est sa tâche, c'est son. C'est sa vocation, si on peut dire, parce que elle a été faite pour ça. Dieu a dit, bien, tu seras une aide, je te la donne comme une aide, je ne me rappelle plus les termes exacts, mais c'est dans la Genèse, le troisième chapitre de la Genèse, hein, vous pouvez retrouver. Donc, vas-y, voilà, alors il faut... Alors je continue, il faut sortir de ce quasi, donc c'est sûr, il faut sortir de ce quasi-esclavage de la femme au foyer, qui la femme dans le passé, souvent ravalée au rang d'esclave. Hein. Nous avons vu que la femme a une parfaite égalité de nature avec l'homme, et donc elle a droit à tout ce que cette dignité comporte, au même titre que l'homme, sans absolument aucune diminution. Elle a droit à une dignité semblable, et c'est certainement ce qui l'a poussée à revendiquer une même place dans le monde, en particulier dans l'étage extérieur, pour essayer d'obtenir une même considération. Oui, comme si dans les sports, dans les travaux qui étaient exclusivement, en plus, qui sont exclusivement réservés aux hommes, parce que l'homme, il n'y a pas de problème, il a une force, une plus grande force, hein, il y a que voir la constitution corporelle des hommes et des femmes, en règle générale, il y a des exceptions partout, mais... En règle générale, l'homme est fait, est plus fort, il est plus fait pour faire des tâches de force, alors que la femme est plus faite pour faire des tâches délicates, et elle a toute son importance. Hein. Et cette ridicule course, ça c'est le féminisme hein, qui nous détruit aussi, ce féminisme-là. Et c'est incroyable tout le mal qu'il peut faire. Hein. Des femmes qui n'ont plus rien à voir avec ni même peut-être avec des femmes, ni même avec des êtres humains. Bon, passons, on n'a pas à juger nos frères, mais il ne faut pas non plus être aveugle sur le mal qui se fait dans le monde. Hein. Il faut que la femme retrouve son caractère de femme. Vous voyez aussi, c'est là vient aussi, bon, c'est tout un monde, mais ce désir de certaines femmes de devenir hommes. Bon, vous avez aussi les hommes qui veulent devenir des femmes. Bon. Alors, ce qu'il faut, c'est retrouver ce qu'on est et puis le développer. Hein, chaque être est une merveille. Il faut retrouver ce qu'on est pour pouvoir agir dans ce sens et trouver le bonheur comme ça. Et puis, c'est pas en agissant contre la nature, je répète, parce que contre la nature, on va contre Dieu et on va vers la destruction. Hein, tout ce qui est contre nature est destructif. Hein, c'est connu, ça, de toute façon. Alors, donc, la femme oui, qui va vouloir aller, bon, je vais répéter là ce qu'on vient de dire un peu, d'une autre manière, mais ce n'est pas la bonne solution, d'après ce qu'on a vu dans le cours sur le mariage. Hein, la femme qui revendique une même place dans la société que l'homme, car si l'homme, bon, dans le sens où on la précise, hein,
Car si l'homme et la femme ont une égalité de nature, ils ont cependant des différences importantes de sexe, non seulement au niveau anatomique, mais encore physiologique et psychologique et spirituel. Ce ne sont pas des différences de nature, mais qui découlent tout de même directement de la nature. Vous voyez, hein, c'est sûr que de nature, l'homme et la femme sont hommes, hein, ils ont la nature humaine, mais du point de vue plus particulier du fait qu'ils sont hommes masculins et femmes féminins, à ce niveau-là, il y a des différences qu'il faut respecter. Hein, à ce niveau-là, on a vu que l'homme est plutôt fait pour les tâches extérieures et la femme pour la maison, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une activité sur l'extérieur, comme on le disait, qui peut être aussi importante que celle de l'homme, mais plutôt dans la maison. Mais la tâche incomparablement plus belle qu'elle a à accomplir et absolument primordiale de la femme, c'est celle de l'éducation des enfants. Ça ne veut pas dire que le père soit exclu, loin de là. L'homme comme la femme y ont chacun leur part importante et complémentaire. C'est ça qu'on oublie de dire aujourd'hui. Complémentaire. Et c'est comme ça qu'on va développer les richesses de chacun dans l'ensemble, dans cette union d'amour qu'ils sont appelés à vivre pendant toute leur vie. Donc, chacun a leur part importante et complémentaire, mais c'est la femme qui, avant tout, doit être à la maison pour assurer une présence indispensable une grande partie de la journée, parce que de ce qui découle de la nature, la femme est plutôt un être d'intérieur avec toutes les belles qualités que l'on a remarquées dans cette finitude comparative des deux sexes dans le cours sur le mariage. Bon, quand j'ai donné ces cours à des personnes, il y avait des réactions assez, pas violentes, mais assez opposées. Hein. Ah, parce qu'on baigne là-dedans aujourd'hui, hein, et les femmes peuvent souffrir parfois aussi d'un complexe de frustration, d'infériorité, par peut-être des pères ou des frères qui les ont abaissés, qui n'ont pas su apprécier leur valeur propre de femme, et qui les ont considérés comme des êtres inférieurs. Et c'est faux, c'est pas parce qu'elles ont été mal considérées qu'elles sont inférieures. Et si l'école s'occupe de la... Vous savez qu'un homme peut devenir complètement tombé en adoration devant une femme. Hein. Donc, il y a des quantités d'exemples de ça, et ça prouve que la femme n'a rien d'inférieur, mais au contraire, elle peut être considérée comme un dieu par un homme. Et vous remarquez, entre parenthèses, que cette soi-disant libération de la femme par rapport à l'homme, on perd... Justement, ce respect, les hommes perdent ce respect par rapport à la femme. Hein. Vous avez des quantités d'exemples où, en particulier, bon, le pire, c'est qu'il y a des femmes, je ne sais pas combien de femmes qui meurent par jour sous les coups de leur conjoint, on ne peut plus dire leur mari maintenant, parce qu'ils ne sont même plus mariés. Vous voyez, non seulement la route est mauvaise, mais en plus, les victimes sur le bord de cette route montrent que vraiment qu'elle est mauvaise. C'est une constatation directe et concrète. Et si l'école s'occupe de la majeure partie de l'enseignement, les parents, et en particulier la femme, au moins, lorsque l'enfant est petit, doivent aider les enfants à bien assimiler ce qui leur est enseigné, à le compléter au besoin selon leurs capacités, et les mettre en garde contre des enseignements non conformes à la vérité, à la morale et à la religion. Pardon. Donc les parents, la plupart du temps, ne peuvent pas assurer l'enseignement des enfants, non seulement à cause du manque de temps, comme on le disait, mais... parce qu'ils sont absorbés en grande partie par les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la maison, mais encore parce qu'ils n'en ont pas les compétences la plupart du temps. Hein. De même que pour la santé, ils ont recours aux médecins, et pour le catéchisme aux prêtres, ou du moins à des personnes spécialisées, catéchistes, et plutôt au ciel qu'elles fussent vraiment spécialisées, parce que là aussi, il y a à redire.
De même pour l'enseignement de leurs enfants, ils ont recours à l'école. Il faut remarquer d'abord que rien n'empêche les parents, s'ils en sont capables, s'ils en ont le temps, d'enseigner eux-mêmes leurs enfants, dans certaines conditions. J'ai connu une famille comme ça où la mère s'est occupée, c'était deux jumelles, je crois, deux petites jumelles. C'est elle qui a donné l'enseignement de l'école jusqu'à un certain âge. Je ne sais plus combien, elle avait 12 ans, 13 ans, je ne sais pas combien. On a le droit, enfin on avait le droit à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant. C'est une bonne chose dans notre pays que l'on ait encore le droit de choisir les moyens d'enseigner nos enfants. Il est même possible de former des associations de parents et d'autres personnes spécialisées pour donner soi-même l'enseignement dans les conditions permises par la loi, c'est-à-dire évidemment dans la mesure où l'enseignement donné est conforme à ce qu'il doit être, hein, bien sûr, et où les examens sont passés en des endroits officiels sous le contrôle de l'enseignement officiel. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que les enfants reçoivent l'enseignement dans la maison, mais ils doivent aller passer les examens à l'extérieur. Ce que je voulais dire. Donc, continue. L'école, cependant, est très utile à l'enfant pour faire l'expérience d'un milieu autre que le milieu familial, oui. Un milieu social dans lequel, d'ailleurs, l'enfant est appelé à vivre par la suite. Hein. Vous voyez, c'est déjà un apprentissage en même temps de la vie sociale. Il est donc bon qu'il en fasse apprentissage avec des enfants de son âge, autres que ceux de la famille. Car dans la famille, les enfants sont de la famille et ne sont pas du même âge. Il est important que l'enfant fasse cette expérience pour élargir son environnement et s'enrichir de la diversité des êtres humains. Voyez ? En tout cela, on le comprend bien. L'école est quelque chose de complémentaire de la famille dans l'éducation. Il ne s'agit donc pas ni que l'école revendique le monopole de l'éducation à l'encontre de la famille, ni que la famille se décharge de toute la responsabilité de l'éducation sur l'école. L'école ne remplace pas la famille, elle en est une aide, une coopération avec elle. Par conséquent, l'école ne doit pas chercher à éliminer la famille, ni à se substituer à elle. Elle doit aller dans le sens de la famille, qui gardera toujours le devoir et le droit de l'entière responsabilité de l'éducation de ses enfants, comme on l'a vu dans un autre cours, parce que les enfants leur appartiennent. Hein, ça, on a voulu... on détruit ça aussi aujourd'hui, hein, toutes ces idées-là. Bon, je finis là. L'école doit être au service de la famille. Donc oui, ce qui entraîne trois conséquences, on va dire, de ces fausses idées où l'enfant a une certaine autonomie par rapport aux parents, une invention philosophique encore de travers. C'est ce qui a conduit à ces idioties pas possibles. L'enfant, la famille, on nous l'impose, les amis, on les choisit. C'est très beau en soi, quand on reçoit ça comme ça, on dit, si on réfléchit pas, on se dit, c'est la pure vérité. Donc c'est ce qui a causé des tas de discordes dans les familles, alors que la famille, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'on nous impose, c'est comme si je disais, ma main, on me l'a imposée, alors que la main d'un autre, je peux la choisir. Et ça n'a pas de sens. Ma main, elle fait partie de mon corps, et ma famille, elle fait partie de moi-même, je fais partie de ma famille. Je ne suis pas un membre soudé comme les membres de mon corps, mais c'est quand même un corps, un certain corps, une famille, puisqu'on en provient. Voyez, les enfants proviennent des parents, et toute la famille a une racine, une même racine. Les enfants appartiennent aux parents. Alors, il faut... C'est là que c'est pas facile à comprendre, parce qu'ils appartiennent en même temps aux parents, puis le devoir des parents, c'est de conduire les enfants à leur pleine autonomie. C'est vrai, c'est le rôle de l'éducation, on l'a vu, hein, c'est le but. Mais
C'est la nature qui est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Au début, les enfants, ils appartiennent aux parents, il n'y a pas de problème. Même par la suite. Parce que vous savez, vous pouvez avoir un père qui a 95 ans, puis un fils qui a 75 ans. Bah, le père, il dira, c'est mon fils. Et le fils, il dira, c'est mon père. C'est la reconnaissance de l'appartenance, bien que le fils soit devenu indépendant, autonome depuis longtemps, enfin espéré. Et voilà, donc les parents ont responsabilité de l'enfant, des enfants, comme de quelque chose, de quelqu'un qui leur appartient. Qui leur appartient. Et donc, là, ils ont entière responsabilité sur l'enfant pour son éducation. C'est les parents qui ont responsabilité, l'éducation nationale. Hein. Donc l'école doit être au service de la famille, ce qui entraîne trois conséquences. Premièrement, ce qui a été affirmé avec force par les papes et les évêques de notre temps, hein, d'après Jean Dojard, c'est que la famille a le choix de l'école, car si l'école existe pour compléter l'éducation, dont seule la famille est responsable, il s'ensuit que seule la famille a le choix de l'école, et personne ne peut lui enlever ce droit. Et si on essaye, c'est une injustice. Deuxièmement, il doit y avoir une étroite collaboration entre la famille et l'école. C'est peut-être une majorité de familles maintenant qui pensent que lorsque l'enfant est à l'école, ils en sont débarrassés et n'ont plus à s'en occuper et par suite se désintéressent de ce qui se fait à l'école. C'est une grave erreur. Les parents restent responsables de l'éducation de l'enfant et doivent s'intéresser à la formation qu'il reçoit à l'école. Il leur faut se tenir au courant et pour cela avoir des contacts avec les éducateurs et les professeurs de l'école. Réciproquement, les éducateurs et les professeurs de l'école doivent chercher à contacter la famille. D'abord pour se situer dans le prolongement et la complémentarité de son éducation. Vous voyez, ils ne font pas ce qu'ils veulent, hein. Ils ne sont pas les maîtres absolus. Ce qui comporte, bien entendu, d'en combler les lacunes, mais aussi parce qu'ils ne comprendront bien l'enfant et ne pourront avoir une action sur lui que dans la mesure où ils seront au courant de ce qui se passe dans la famille et de la manière dont la famille s'en occupe. Alors évidemment, c'est complexe. Hein. Là, on parle du cas où la famille est bien formée, mais il peut aussi y avoir des gros problèmes dans la famille. À ce moment-là, le rôle de l'éducateur extérieur, externe, ça va être d'essayer d'arranger ce qui ne va pas bien dans la famille aussi. Hein. Là, on parle dans le prolongement de ce qu'on a. Admettons que le mariage a été bien fait, comme on a dit, que les enfants sont bien nés, comme on a dit, qu'on a bien commencé l'éducation là, comme on a dit. Donc, mais de toute façon, que ça se passe bien ou mal dans la famille, les parents sont toujours responsables de l'éducation des enfants et les éducateurs externes ne peuvent qu'aider extérieurement. Oui. Troisièmement, du fait, bon, sauf les cas extrêmes où c'est vrai, il faut retirer les enfants des familles parce qu'il y a vraiment un danger pour les enfants. Alors là, évidemment, on viole un petit peu leur propriété, mais bon, c'est nécessaire aussi, hein, parce que pour le bien de l'enfant, parce que sinon l'enfant risquerait de subir des conséquences désastreuses dans son être. Enfin, vous voyez dans quel sens hein, on parle de ça. Donc, et troisièmement, du fait que la famille a une part prépondérante dans l'éducation et une entière responsabilité, on aura un recours à l'internat que lorsque l'on ne pourra faire autrement. Parce que l'internat réduit trop le rôle éducateur de la famille. Il ne doit être envisagé qu'à titre de moindre mal dans le cas où l'on ne peut pas faire autrement. On peut énumérer trois cas. Quand la famille vit à la campagne et que l'enfant a besoin de faire ses études à la ville, hein, ça c'est courant. Enfin, c'était courant.
En principe, cela ne concerne que l'adolescent. Petit b, quand l'enfant est particulièrement difficile et ne peut être pris en charge par la famille, en ce cas, il faudra trouver un internat spécialisé avec des éducateurs spécialisés. Dans le cas où la famille est tellement déficiente dans son rôle d'éducateur, que l'internat sera un moindre mal. En dehors de ces trois cas, l'extérieur, l'externat est préférable. Voilà ce qu'on avait à dire sur les relations entre la famille et l'école. Vous voyez? Ah, il y a des choses qu'on a oubliées, hein, qu'il faudrait retrouver. Tout ça pour le bien de la famille, le bien des parents, le bien des enfants. Mais, allez, on parle de famille, mais il y en a de moins en moins, malheureusement, des familles. Il faut retrouver toute l'importance de la famille et d'abord de l'amour humain, de l'amour entre un homme et une femme. Qui commence bon, par l'attrait sensible, par l'attrait des qualités, etc., mais qui doit ensuite se concrétiser dans un désir que tout le monde a au fond du cœur, en fin de compte, hein, la femme comme l'homme, d'aimer, d'être aimé pour toujours. L'amour rime avec toujours, il n'y a pas de... Si on suppose que l'amour va périr un jour ou l'autre, dès le départ, c'est pas de l'amour. Hein? C'est quoi? C'est, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et donc il faut aller dans ce sens-là, et dans ce sens-là, il faut savoir bon, qu'il va y avoir, évidemment, les gens ils ont raison, souvent il y a des gens qui ont été ensemble pendant des années, ils se marient, c'est là qu'ils se séparent. Bon, c'est pas parce qu'il y a eu des échecs qu'il faut aller dans le sens de l'échec. Et au contraire, il faut contrer l'échec. Quand il y a un trou dans un bateau qui va couler, il ne faut pas dire bon, on va agrandir le trou, on va tous quitter le navire à la nage. Non, il faut essayer d'abord de boucher le trou pour que le navire puisse aller là où on veut aller. Et où on veut aller dans le mariage, ben on veut vivre une vie d'amour, une vie d'amour extraordinaire. Selon ce qu'on n'a pas compris souvent, c'est que il faut cultiver cet amour. Il faut le cultiver, il faut le faire grandir. Au départ, il est comme une plante, il est comme un germe. Et après, il faut à deux, et ça se fait à deux, c'est là que c'est pas facile. Il faut que les deux soient d'accord pour la faire grandir toute la vie. Il faut savoir aussi retrouver toute l'importance et toute la nécessité. C'est un ordre de Dieu que Jésus a réaffirmé. Que l'homme et la femme s'unissent dans le mariage pour la vie. Le mariage est indéfectible, indestructible. Indissoluble. L'indissolubilité du mariage. Hein? Et c'est ça qui est à la base au départ. Et alors à partir de là, il faut se mettre d'accord. On s'aime, bon d'accord, c'est tout. Élan d'amour, on s'aime pour toujours. J'irai décrocher la lune pour toi, etc. Mais concrétiser cette volonté de vivre l'amour et dire je veux dans moi-même, je te promets que je te resterai fidèle toute ma vie. Et la femme de même. Et construire ensemble. Et puis s'encourager aussi pendant le mariage à se rappeler ses engagements et à trouver des moyens pour les renforcer. Et puis. Des remèdes pour les faiblesses qui ont pu avoir lieu, savoir pardonner, etc. Il y a toute une éducation hein, qu'on pourrait développer nous-mêmes d'ailleurs sur un autre. J'avais pensé faire une vidéo à part à ce sujet, mais enfin voilà, je vous en dis déjà. Et tout est là. Et à partir de là, bah, les enfants qui vont naître dans un milieu comme ça, bah, ils vont forcément s'épanouir, hein, parce qu'ils vont avoir... L'assurance, ils vont le sentir, hein, même s'ils ne savent pas, ils vont sentir qu'là, ils vont avoir l'assurance de l'amour des parents qui est là. Et vous savez que l'enfant, c'est le fruit d'amour concret des deux qui s'aiment. Et toute variation dans l'amour des parents se répercute sur l'enfant, dans son corps, dans tout son être, dans sa psychologie, dans sa physiologie. Hein. Toute l'importance de l'amour des parents pour le développement des enfants. Alors vous voyez, et bon, donc,
Alors là, et là, on parle donc, après on parle de l'éducation des enfants dans cette ligne-là. Vous voyez, il ne faut pas faire intervenir dans votre esprit, d'après ce qu'on dit là, tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est anormal. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est destructif de la famille et de l'enfant. Vous voyez aussi, tous les enfants, je m'écarte un petit peu, ça va être un peu plus long, mais tant pis, il faut dire ces choses. Si vous voyez, je voyais d'autres fois des statistiques sur les. Pas si c'est aux informations ou dans un documentaire où les jeunes ils se mettent à se droguer parce qu'ils deviennent malades, ils prennent des anxiolytiques, ils profitent de ces anxiolytiques pour se droguer, etc. Et ça finit par des catastrophes complètes, vous voyez. Et les jeunes, je suis sûr qu'à la base, il y a toujours un gros problème familial chez les parents. On n'est pas libre, on n'est pas libre de se mettre ensemble et de se séparer, de se remettre avec d'autres comme ça. On n'est pas libre. La nature est faite ainsi, et si on va contre la nature, je le répète, contre nature, c'est destructif de la nature. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, pendant qu'on est dans ce domaine-là? L'enfant, donc, doit être dans ce milieu-là. C'est un petit peu, comme, si vous voulez, comme un pot, hein, les parents, par rapport à l'enfant, une plante qui est dans un pot, bah, si le pot il est fêlé, hein, la plante qui est dedans, mettons qu'elle ait la connaissance, elle sait qu'un jour ou l'autre, ça va casser, et que toute la terre va s'écrouler, les racines vont se retrouver à l'air. Bon, c'est peut-être pas une bonne image, mais c'est pour faire comprendre, quoi, combien est important l'amour des parents pour l'éducation des enfants et combien les parents doivent vivre cette union indissoluble pour le bien des enfants. Ils ont le devoir, ils doivent le faire. Hein. Et s'ils ne le font pas, ils sont gravement responsables, gravement coupables. Aujourd'hui, on a éjecté tout ça en faisant croire que tout est normal, qu'il faut vivre sa vie chacun de son côté, comme ça nous plaît. Alors qu'il y a une grave responsabilité, on aura à en rendre compte aussi là-haut, au paradis, vous voyez. Donc là, on parle de l'école et de l'éducation des enfants chez eux et dans l'école, dans la mesure où la famille est bien constituée. Donc il faut essayer, s'il vous plaît, d'enlever toutes ces idées aujourd'hui où on nous fait croire que les unions libres sont normales, etc. C'est absolument anormal et c'est même quelque chose, je dirais même jusqu'à dire monstrueux. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'un monstre? Ben, c'est quelque chose qui n'est pas conforme à la nature, tout simplement. Hein? Alors, on continue. D'autre part, l'école elle-même s'insère dans le milieu social et n'est pas la seule concernée dans l'éducation en dehors de la famille. L'école dépend d'autres formes de vie sociale. Il semble qu'on ait fait des progrès dans ce domaine, mais on note tout de même les écoles professionnelles ou techniques qui préparent à une profession devraient dépendre des corps professionnels organisés dont on parlera, car les corps professionnels sont intéressés à la formation des futurs membres de la profession. Hein. Bon, moi, j'en sais quelque chose, j'ai commencé comme dans le métier de menuisier. Et je fais partie de ceux qui apprenaient sur le tas. Je n'ai pas été à l'école. Et on avait des gars qui venaient, qui avaient le même âge que nous, qui avaient le même temps de formation que nous, qui sortaient des écoles, qui venaient travailler dans l'entreprise où on était. Bon, on voyait la différence. Hein. Nous, on savait travailler alors qu'ils en étaient encore au tout début. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer l'école, ça ne veut pas dire qu'il faut. Vous voyez, il faut en même temps l'école, mais aussi faire connaissance avec le milieu professionnel qui est un milieu qui n'est pas le milieu de l'école. Deuxièmement, nous verrons dans le cours sur l'État que l'État a la responsabilité de ce qu'on appelle le bien public, qui est le développement de la vie civilisée, au bon sens du terme. Il résulte de là que l'État peut et doit imposer à toutes les écoles toutes les exigences du bien public en matière d'éducation et d'enseignement. Le bien public, ça concerne, je voulais, entre autres,
la justice sociale, hein, où chacun doit tenir compte de l'autre et respecter l'autre, respecter les droits de l'autre. Hein, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Troisièmement, la société religieuse. Hein. L'école, ce qu'on dit là, l'école dépend d'autres formes de vie sociale. Elle dépend aussi de la société religieuse à laquelle appartient l'enfant. La société religieuse, oui, a aussi des droits quant aux répercussions religieuses sur l'enfant de la formation donnée à l'école. Ah oui. Et en ce qui concerne les enfants qui appartiennent à l'Église catholique par le baptême, l'Église catholique a toujours affirmé sa volonté pour eux d'école intégralement catholique dans toute leur conception d'éducation et d'enseignement, dans leur personnel, leur programme, leur esprit, dans leur méthode, leur manuel. Allez. Alors, évidemment, ça c'est contesté, hein. On va en parler. On en parle maintenant. Alors, cette position de l'Église est contestée par les partisans de ce qu'on appelle le laïcisme, hein, qui disent que les enfants catholiques peuvent avoir leur formation religieuse dans leur famille et leur paroisse et aller à des écoles religieusement neutres. L'erreur, dans leur opinion, c'est d'estimer que le christianisme se limite au domaine religieux et que tout le domaine profane en serait indépendant. Le christianisme réclame que tout dans l'être humain soit chrétien, aussi bien dans le domaine profane que religieux. Pour un chrétien, tous les domaines de l'éducation et de l'enseignement doivent être pénétrés de l'influence chrétienne. Pourquoi? Bon, vous l'avez peut-être déjà compris. Et puis, d'après ce qu'on a dit, enfin, peut-être aussi d'après ce qu'on va dire, mais aussi, surtout si vous êtes déjà chrétien. Alors pourquoi? Ceci d'abord d'un point de vue négatif, parce que, mis à part les mathématiques, la neutralité est impossible, comme en philosophie, en histoire, où l'on rencontre constamment le christianisme et l'Église. Et puis aussi, toutes les idées, les réalités, hein, philosophiques et historiques. La neutralité n'est pas possible non plus en littérature. Quand par exemple, il faut expliquer Pascal ou Voltaire, pas plus en physique ou en biologie, quand on veut nous faire croire que le monde est simplement mathématique ou le fruit d'une évolution matérielle, hein. En négligeant complètement la création, qui pourtant peut être démontrée, on l'a fait, hein, point de vue métaphysique, philosophique, métaphysique. Alors forcément, et on sait les dégâts que font les universités sur les jeunes catholiques, hein. Il y a un prêtre qui disait à un jeune en université, s'il ne prie pas, en 6 mois, il a perdu la foi. Parce que tout est fait pour faire perdre la foi. Et puis aussi et surtout d'un point de vue positif, où non seulement il faut éviter de mettre Dieu de côté quand il semble visiblement être impliqué, quand c'est tellement évident qu'on ne peut faire autrement, pardon. Mais encore, il faut mettre Dieu à son rang dans la connaissance de l'homme, c'est-à-dire l'objet premier de sa contemplation. Comme on vient de le rappeler au début de cette vidéo, hein? Dieu doit être premier, on a compris pourquoi. Il doit être premier parce que c'est une obligation, un précepte, mais parce que c'est une nécessité de nature. Dans le sens qu'on cherche tous le bonheur et qu'il n'est vraiment qu'en lui. On peut et on doit découvrir Dieu partout, directement ou indirectement. Donc il ne s'agit pas seulement d'une façon négative de ne pas mettre Dieu à la dernière place ou même pire, de ne pas lui réserver la place du tout,
lui, bah, ne pas lui réserver de place du tout, mais bien au contraire de le mettre à la première place dans toutes les études, même en mathématiques, où il semblerait ne pas être concerné, en montrant par exemple la grandeur prodigieuse de son génie quand il organisait entre autres le monde céleste avec tant d'ingéniosité. Comment il est le plus grand chimiste qui a agencé les molécules de façon si admirable, avec tant de possibilités de réaction, le plus grand biologiste qui a conçu les êtres vivants d'une complexité, d'une diversité étonnante, hein, avec voir les petits oiseaux comment ils évoluent. Je regardais là, au bord de la mer, là, les mouettes, il y avait une tempête, là, un vent pas possible. Elle était là, là en train de regarder comme ça. Là. Le plus grand écologiste grâce auquel les êtres vivants cohabitent, se dévorent entre eux et se reproduisent, en maintenant l'équilibre entre eux, à peu de choses près, depuis tant de millénaires, depuis tant de millénaires, etc., etc. Plutôt que de nous représenter le monde comme issu de l'évolution de la matière et du hasard. Bon, complètement. Complètement débile, excusez-moi l'expression, mais on en a parlé, on en reparlera. Comment peut-on avaler des choses pareilles devant les merveilles de la nature, penser que tout ça est venu par hasard? Par la matière en plus, uniquement par la matière. Ceci peut paraître un peu déplacé ou utopique, tant on est habitué à ce que l'école soit laïque. Bon, on a, dans les cours de première année, il y a un cours, on a donné des arguments, beaucoup d'arguments, pour démontrer que l'évolution matérialiste est impossible. Vous pouvez y revenir, c'est dans le cours sur l'âme, je crois, ou sur la création. Ceci peut paraître un peu déplacé ou utopique, tant on est habitué à ce que l'école soit laïque, tant la majorité est éloignée de telle conception. On finit par croire que cette opinion est normale, que ce monde est normal. Mais le monde normal n'est pas celui qui donne à chacun, n'est-ce pas celui qui donne à chacun la place qui lui revient, parce qu'on appelle la justice, qui a pour opposer l'injustice. Et n'est-il pas normal de donner à Dieu la première place dans ce monde? Non seulement parce qu'il en est digne, qu'il est l'être souverain dominant tout, à l'origine de tout, mais encore parce qu'il nous aime et nous a aimés de façon inimaginable et a droit de ce fait à toute notre affection. Oui. Le monde normal, c'est que toutes les écoles soient catholiques. Il enseigne de toute manière que Dieu seul est digne d'amour et qu'il a droit à la première place, non seulement dans l'enseignement, mais encore dans nos cœurs. Ces écoles laïques, qui se déclarent neutres, si on regarde bien, est un scandale, cachant sous ce vocable apparemment inoffensif et de pure justice apparente, un rejet pur et simple de Dieu par les enfants de malheur, les fils de l'orgueil et de la suffisance. Ouais. C'est une monstruosité aussi, cette affaire-là. Bernet, vous voyez, je vous dis ça, vous devez réagir en disant, mais attendez, d'où il vient celui-là? Et si vous réfléchissez bien, si vous suivez bien tout ce qu'on a dit depuis ce qu'on a dit, qui vient pas de moi-même, hein, j'essaie de vous montrer la réalité des choses. Si vous réfléchissez, j'allais dire correctement, bon, selon ces principes qui viennent de la juste philosophie, et la vraie philosophie, la vraie connaissance, reconnaîtrez que c'est vrai. Si Dieu est vraiment le créateur du ciel et de la terre, si c'est cet être extraordinaire qui a ce génie qui a fait toutes ces merveilles, et si en plus il est mort d'amour pour nous, en la personne de son fils, pour tous les hommes, pas seulement pour les catholiques, mais pour les laïcs, pour les, hein, pour les musulmans et tout, bon, qui ne sont pas dans la vraie religion, il hein, faut le dire, on va le montrer aussi, ça. Le monde normal, c'est que toutes les écoles soient catholiques, et si ça n'est pas possible,
La moindre des choses est que les catholiques aient leurs écoles propres. Pourquoi? Parce que c'est la seule religion véritable. On montrera en troisième année que les autres religions ne sont pas des religions. Ce sont des religions qu'on pourrait appeler plus ou moins naturelles pour certaines, c'est-à-dire qui viennent de l'homme, mais ce ne sont pas les religions qui viennent de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion qui vient de Dieu, c'est là où Dieu s'est révélé, où Dieu s'est incarné et a pris la chair humaine et est venu nous sauver, nous vivre parmi nous et nous sauver. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde devrait courir à ce trésor extraordinaire des dons de Dieu pour nous. C'est ça le normal. Et la normale, ce sont ceux qui veulent nous faire croire que le monde sans Dieu est normal. Et ce sont eux qui sont anormales. Il n'est pas normal que celui qui a droit à la première place, Dieu, soit rejeté à la dernière en ce qui concerne l'éducation, vous voyez. L'œuvre la plus importante au monde, comme on l'a vu. Hein, parce que c'est la formation de l'homme, précisément. Et l'homme qui est l'être le plus grand, le plus important dans le chef-d'œuvre de la création. Hein. On voit combien la majorité peut être loin de la vérité parfois, tout en faisant croire qu'elle en est le centre. Et ça, c'est la ruse du prince de ce monde, hein, de Satan, qui a une puissance, vous voyez, comme il est puissant, hein, pour faire... Lui, c'est tout son intérêt de faire disparaître le souvenir de Dieu chez les hommes, hein, comme ça, hop, il part ici la bonne soupe, il récupère les billes, et puis il récupère tout le monde dans son royaume, et on sait que son royaume, c'est l'enfer, hein, avis aux intéressés. Certes, chaque science doit avoir son propre domaine, alors ça, bon, il ne faut pas non plus, comme avec l'islam, bon, qui n'est pas une religion, hein, mais bon, qui veut tout religioser, si on peut dire, et de façon horrible. Hein, bon, bref, il ne s'agit pas que chaque science, et il ne s'agit pas que les sciences, que la religion s'impose comme une dictature. Vous voyez? Là aussi, il y a eu des abus, les gens qui voulaient, qui ont fait de la religion leur propre cuisine, qui ont voulu s'imposer eux-mêmes, les religieux, comme les chefs suprêmes, en profitant de la religion, voyez, pas parce que la religion doit avoir sa place dans la société, mais ils avaient pris la place de Dieu dans la religion et ils voulaient se proclamer, ils voulaient imposer eux-mêmes. C'est là où ça ne va plus, voyez, pour respecter, tout est dans la vérité, hein, la vérité des choses, la vérité des êtres. Donc, certes, chaque science doit avoir son propre domaine. Il ne s'agit pas de tomber dans l'excès inverse et de vouloir, comme on le disait, tout théologiser, c'est-à-dire de vouloir tout expliquer par Dieu, faire un abus de la religion, comme on a fait un abus de la métaphysique en voulant expliquer toute la nature par elle, hein, ce qui a heureusement rétabli la venue de la science au sens moderne. C'était un bienfait aussi. La métaphysique est extrêmement importante et c'est une grande richesse de connaissances, mais à condition qu'elle reste dans son domaine. Et c'est là qu'elle a perdu de sa notoriété, quand elle a voulu continuer d'expliquer ce qui n'était plus son domaine. Et c'est là qu'est arrivée la science, et qui, elle, a pris ça sous son aile, si on peut dire, et a véritablement fait des découvertes extraordinaires. C'est un petit peu d'ailleurs la cause de la déconsidération de la métaphysique dans nos temps modernes. Bon, je vous dis beaucoup de choses là. Je pense que cette vidéo va être assez longue, mais bon, je crois qu'il faut dire les choses. Patience, si c'est trop long pour vous, vous coupez et puis vous reprenez un peu plus tard. Hein. Donc, il ne s'agit pas que tout théologiser, hein, de vouloir tout réduire à la religion, mais il s'agit que chaque science ait sa place, non seulement dans le fait d'avoir sa place parmi les autres sciences sans être rejetée, mais d'avoir sa place propre dans la hiérarchie des sciences,
sa valeur propre parmi les autres, et de ce fait, la théologie couronne tout le reste du fait que c'est la science de Dieu qui surpasse toute science de l'homme, de la même façon que Dieu surpasse l'homme. Bon, ça, l'Église l'a toujours reconnu, hein, elle a toujours reconnu que ce qui était de son domaine, c'était surtout la science de Dieu, la théologie, et la philosophie, dans la mesure où la théologie, c'est pas contraire aux vérités de Dieu, mais entière liberté aux sciences. Hein, l'Église n'a jamais voulu s'imposer en tant qu'Église, en tant qu'institution de Jésus-Christ. Hein. L'excès, donc, dans un sens, c'est de rejeter la science de Dieu sous prétexte de rester neutre, mais dans l'autre sens, de vouloir la mettre partout. J'ouvre encore une parenthèse, le gros problème dans tout ça, c'est qu'on n'est plus capable non plus, on n'a plus d'hommes marquants qui sont capables, à part l'Église, bon, le magistère de l'Église qui garde sa puissance de la grâce de Dieu, mais on n'est plus capable de dire telle religion est fausse et telle religion est vraie. Hein? Ça, il faudrait retrouver ça. Donc, l'excès, voilà. La juste mesure entre ces deux excès, c'est de lui donner la place à laquelle elle a droit, la religion, comme dominant toutes les autres, sans enlever à chacune son caractère propre légitime. Mais pour cela, il faudrait que les scientifiques voient la théologie comme autre chose qu'une superstition, et d'autre part, que les responsables de la religion se considèrent comme autre chose que les maîtres du monde, comme cela avait eu lieu au temps de Jésus avec les pharisiens, comme on le disait tout à l'heure. Il s'agit que chacun trouve et occupe sa véritable place, les hommes comme les sciences, tout est dans la vérité, voyez. L'objectif est d'être respecter l'objectivité des choses, être honnête, hein, sans parti pris. Mais avant d'en arriver là, il y a du chemin à faire. Mais c'est la meilleure solution, bon, c'est le combat de tous les temps. Hein. Le combat de la vérité, de ceux qui veulent défendre la vérité, le combat de ceux qui combattent pour le mensonge, et qui veulent donner aux ennemis de Dieu l'avantage. Alors on continue. À cela, certains catholiques contemporains ont objecté que si les catholiques forment leurs écoles propres, ils risquent ainsi de s'enfermer entre eux dans une sorte de ghetto, alors qu'un esprit missionnaire doit porter les enfants catholiques à aller au milieu des autres enfants dans des établissements scolaires religieusement neutres. Alors, il est si vrai qu'il est souhaitable que les catholiques aient un esprit missionnaire qui les pousse à aller au milieu des incroyants, leur annoncer le message du salut par Jésus-Christ, mais on ne s'improvise pas apôtre. Hein? Il faut y être formé très sérieusement, ce qu'on essaye de faire ici, d'autant plus que ce monde actuel a besoin d'arguments très forts pour le convaincre. Et pour être formé à ce grand œuvre, il faut des écoles catholiques. Bon, à condition qu'elles soient catholiques. Hein. Et l'école catholique n'est vraiment catholique que si elle sait former les enfants à l'esprit missionnaire. Elle doit donc s'attacher à informer les enfants des grands courants de pensée et de mœurs, de manière à ce qu'ils sachent répondre aux attentes des personnes dans l'état où elles se trouvent. Ah oui, on n'est pas arrivé. Hein. Alors,
Donc, l'école catholique doit donc s'attacher à informer les enfants des grands courants de pensée et de mœurs, de manière à ce qu'ils sachent répondre aux attentes des personnes dans l'état où ils se trouvent, c'est-à-dire pas seulement à se former dans leur domaine à eux, mais aussi savoir ce qui se passe ailleurs, pour savoir comment présenter les choses. Il ne s'agit donc pas d'avoir un esprit de ghetto, c'est-à-dire de s'enfermer sur soi-même pour vivre en vase clos, ce qui, à la limite, s'il n'y avait pas la nécessité de cet esprit missionnaire que Jésus nous commande d'avoir, ne serait pas fautif, car nous devons nous protéger des contaminations extérieures, de même que se protéger l'hiver contre le rhume ou toute autre maladie n'est pas un rétrécissement, un enfermement sur soi-même, mais une mesure de précaution pour un besoin vital. Donc, il ne s'agit pas de s'enfermer sur soi-même, mais de se former à une œuvre dont l'importance exige une préparation importante. Voyez, on a reproché dans un autre sens à l'école catholique de manquer d'esprit de conquête. Reproche fait à tort, puisqu'elle veut conquérir au christianisme toutes les disciplines humaines, y compris les disciplines les plus profanes, qui doivent être imprégnées du christianisme. Bien entendu, ce que nous venons de dire suppose des écoles catholiques, vraiment catholiques, hein, comme on le disait un petit peu, conformes à l'esprit catholique dans ses programmes, sa méthode d'éducation et d'enseignement. Sinon, c'est une école qui... Puis, pour leur apprendre avant tout à prier, hein. Les écoles, je crois, c'est peut-être un peu comme ça que nos écoles catholiques ont dégénéré, hein. Sinon, si une école catholique n'est pratiquement plus catholique, si elle n'allait que de nom, elle perd sa raison d'être catholique, elle perd sa raison d'être, comme cela arrive malheureusement aujourd'hui en beaucoup d'écoles qui se disent catholiques et veulent copier en tout les écoles publiques neutres. Et comme dit le proverbe latin, la corruption du meilleur donne ce qu'il y a de pire. Corruptio optimi pessimum. On comprend un peu mieux l'état de corruption de certaines de nos écoles libres. L'école catholique est ce qu'il y a de meilleur dans la mesure où elle est vraiment catholique, sinon elle devient même pire que les écoles publiques. Et comme disait aussi saint Augustin, je ne connais, c'est dans un autre domaine, mais c'est du même ordre. Je ne connais rien de meilleur qu'un bon moine et rien de pire qu'un mauvais moine. Voilà donc dans les grandes lignes les principes enseignés par l'Église en ce qui concerne l'école. Si on regarde maintenant concrètement le problème de l'enseignement qui se pose aujourd'hui en France pour des parents catholiques, il faut dire que le régime scolaire actuel de la France est très loin de réaliser les vœux de l'Église que l'on vient d'exposer, comme on y a déjà fait allusion. Les parents doivent se renseigner le mieux possible sur tout ce qui se présente dans leur région, dans leur région en matière d'enseignement. Le problème n'est facile pour personne, ni pour les parents, ni pour les écoles catholiques, comme on le voit au foyer de charité de Châteauneuf-de-Gallore, qui a une école de choix et n'arrive pas à avoir des enseignants consacrés, vraiment imprégnés de l'esprit des foyers de charité, et sont obligés de prendre des professeurs dans l'enseignement public. Hein? Il n'y a plus de gens qui savent donner leur vie à Jésus. Mais rien n'empêche des parents de s'associer, de fonder eux-mêmes une école catholique ou bien de voir comment il pourrait y avoir des éducateurs catholiques dans les écoles où vont leurs enfants. Jean de Jat parle de mouvement d'enfants catholiques ou d'éducateurs catholiques. On voit ainsi que la famille, l'État et l'Église ont des droits concernant l'école. Ces droits ont été exposés d'une manière très précise dans une encyclique
qui est au fondement de la doctrine de l'Église sur l'école, c'est l'encyclique de Pie XI, Divinus Magistri. Pie XI, il expose que les droits de la famille, de l'État et de l'Église sur l'école ne s'opposent pas, mais s'harmonisent, car le but de l'école est la complète réalisation de l'enfant. Et c'est dans ce but, voyez, la complète réalisation de l'enfant, hein, pour qu'il devienne vraiment un homme, et pas seulement un agent professionnel, ou, etc. Et c'est dans ce but que doivent s'harmoniser les droits respectifs de la famille, de l'État et de l'Église. Alors vous imaginez la difficulté aujourd'hui où on veut faire croire que quand l'Église, quand la droite raison et la spiritualité dit que le mariage est indissoluble, et quand de l'autre côté on vous dit que l'union libre est ce qu'il y a de mieux, parce que comme ça c'est là qu'on est le plus heureux. Alors que ça fait des dégâts pas possibles dans la société. Alors, comment s'harmonisent ces droits? Eh bien, en raison de leurs finalités respectives. Comme la famille a pour finalité propre l'éducation des enfants, elle a un droit premier sur l'école, comme on l'a dit. Comme l'État a pour finalité le bien public, ces droits sont mesurés par les exigences du bien public auxquelles devra se soumettre l'école dans son enseignement. Comme l'Église a pour finalité la vie éternelle, qui est la fin dernière de l'enfant, l'Église a des droits sur les enfants qui font partie d'elle-même par le baptême. On voit ainsi qu'il ne peut y avoir d'opposition entre les droits respectifs de la famille, de l'État et de l'Église, parce que leurs buts sont différents et ne s'opposent pas, mais au contraire s'harmonisent. Le bien de la famille concernant l'enfant et le bien de l'enfant, le bien de l'État, le bien public, et le bien de l'Église, le bien éternel. Le bien de l'enfant, c'est en même temps le bien public et le bien éternel. Vous voyez? Bon, on avance, hein. Bon, si, on peut en dire deux mots, bon, enfin, si vous l'avez peut-être déjà compris. Hein, les biens qui s'harmonisent, le bien de la famille concerne l'enfant, et le bien de l'enfant, le bien de la famille concerne l'enfant et le bien de l'enfant. Bon, bah, alors, en bref, l'enfant est appelé à devenir un homme et à vivre dans la société, et puis avoir pour fin la vie éternelle. Donc il faut que tout ça soit... Tout ça participe à la formation complète de l'homme. Hein, vous voyez? Et donc il faut que tout ça soit pris en compte, ensemble et en harmonie. Vous voyez? Alors le problème aujourd'hui, c'est qu'on éjecte complètement la vie éternelle. Bon. Et puis même des fois, le bien public... Il est un peu en train de disparaître aujourd'hui avec toutes ces manifestations, etc., où l'autorité perd de plus en plus de son autorité précisément. Hein. Et cela, entre parenthèses, parce qu'on a abandonné les autres, hein, ce qui fait la caractéristique de l'homme. Hein. Si vous corrompez l'homme d'un côté, ça s'écroule de l'autre. Hein. Comme disait Jean-Paul II, toute société qui se construit sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme. Oui, on est en train de vivre ça en ce moment. Bon, heureusement, on n'a pas encore complètement abandonné, mais on est sur le chemin. Hein. Il n'y a pas d'opposition tant que chaque partie reste dans son domaine, dans son droit. Seul un abus de droit pourrait causer une opposition. Par exemple, entre l'État et la famille, si la famille voulait une école qui aille contre les exigences du bien public, il y aurait un abus de droit de la famille par rapport à l'État. De même, il y aurait un abus de droit de l'État par rapport à la famille s'il ne tenait pas compte des droits naturels de la famille sur l'enfant,
Par exemple, s'il lui refusait le choix d'une école et voulait la lui imposer d'office. Et encore, il y aurait abus du droit entre l'État et l'Église. Si l'Église voulait des écoles non conformes aux exigences du bien public, ou si l'État interdisait d'enseigner la religion, ou favorisait publiquement l'athéisme. C'est un petit peu ce qui se fait, mais bon. De même, entre la famille et l'Église, il y aurait abus de droit de la famille si celle-ci refusait de reconnaître les droits de l'Église sur tout baptisé. Il y a abus de l'Église sur la famille si l'Église refusait les droits naturels de la famille sur l'enfant. Bon, quand on dit que l'enfant appartient à l'Église, ça veut dire dans le sens où les parents, ou même l'enfant quand il est devenu, quand il a l'âge de raison, ou quand il est devenu homme, il se dit lui-même, l'Église ne kidnappe personne. Hein, on appartient à l'Église dans la mesure où on rentre soi-même dans l'Église et on se dit appartenir à l'Église, faire partie de l'Église, vous voyez. Et quand c'est l'enfant, ben c'est les parents, ce sont les parents qui, quand ils vont faire baptiser leur enfant, ce sont les parents qui déclarent vouloir que l'enfant appartienne à l'Église, fasse partie de l'Église, et ensuite c'est l'homme lui-même qui ratifie ça plus ou moins, ou qui se fait baptiser s'il n'a pas été. Voilà. On voit ainsi qu'un bon régime scolaire est un régime scolaire qui respecte à la fois les droits des familles, de l'État et de l'Église, et éventuellement d'autres sociétés religieuses, ce qui peut être réalisé sous des formes variées. Qu'en est-il en ce qui concerne plus particulièrement la France? Avant la loi Debré de 1959, le régime scolaire de la France partageait les établissements scolaires en deux catégories. L'enseignement public avec des établissements scolaires dirigés par l'État et entretenus par lui. Et deuxièmement, des établissements scolaires privés dont l'État se désintéressait en les tolérant. L'avantage avec l'enseignement de l'État, c'est que les écoles publiques ne manquent pas de ressources et ont une certaine unité. Mais on a trois graves inconvénients. Du fait que notre pays est divisé en ce qui concerne la religion, c'est-à-dire catholiques, protestants, musulmans, juifs, l'État se sent obligé d'être neutre pour ne pas paraître favoriser une religion plus qu'une autre. Là, ça c'est ce qu'on a maintenant, ce qui entraîne ces inconvénients que l'on a notés, en particulier que Dieu, qui devrait être premier dans l'enseignement, est relégué à la dernière place, quand son existence n'est pas simplement niée. Deuxièmement, que l'enseignement soit pris en charge par l'État signifie en définitive un certain totalitarisme. L'État doit prendre en charge l'obligation de l'enseignement pour tout enfant, c'est-à-dire imposer que tout enfant soit enseigné, car c'est quelque chose qui a rapport au bien public, dont l'État a la responsabilité en tant que tout homme doit être suffisamment formé pour participer avec compétence par son activité au bien commun. Hein. Mais il ne faut pas que l'État aille trop loin en voulant imposer une trop grande uniformité de programme et de méthode d'enseignement, alors que l'enseignement, d'après Jean de Jarre, réclame une grande variété de programmes et de méthodes pour s'adapter à la diversité des enfants et des groupes d'enfants. Hein? Que partout en France, on ait les mêmes horaires, les mêmes programmes, les mêmes méthodes imposées de Paris par des bureaux ministériels et selon Jean de Jarre, un très grave défaut. Il est vrai que pour assurer cette grande diversité de programmes et de méthodes, il faut que le corps enseignant soit composé d'hommes dotés d'une conscience professionnelle éprouvée et d'un grand dévouement à leur mission, comme cela avait lieu au début du XXe siècle, ce dont on manque peut-être plus maintenant.
En somme, il faudrait une certaine hiérarchisation des responsabilités, comme on l'a vu dans le cours sur l'autorité, qui consiste en somme en un juste partage des responsabilités, de manière à ce que les décisions soient prises le plus près possible des personnes concernées et soient éclairées par les grands principes, les grandes lignes générales données par l'autorité première, l'État, lequel doit être soumis aux exigences de la nature qui vient en définitive de Dieu. Vous voyez, cela permettrait d'un côté de garder les grandes lignes essentielles à la société, comme l'enseignement obligatoire pour tous, et en même temps de les particulariser selon les diverses régions, les divers caractères, les diverses possibilités des enfants. Vous voyez, ça résoudrait peut-être un petit peu le problème de ces gens qui voudraient nationaliser leur rendre autonome leur région, comme les Corses, les Bretons, les Basques. C'est toujours le même problème quand les personnes veulent juger de ce qui n'est pas de leur compétence. Comme quand, par exemple, ceux qui sont haut placés veulent juger des problèmes particuliers, et quand ceux qui sont plus près du concret veulent juger des grandes lignes directrices. Chacun son métier, comme dit le proverbe, et les vaches seront bien gardées. Hein? Aujourd'hui, il y a une mainmise sur l'école des bureaux ministériels, constitués par des hommes qui n'ont souvent aucune expérience de l'enseignement, ni des élèves, et qui veulent tout dicter aux professeurs et éducateurs en ne leur laissant aucune initiative, aucune liberté. Bon, là, je parle d'il y a plus de quelques dizaines d'années, quand Jean Donja établit ses cours. Là, je me fie à lui, hein, j'ai pas vérifié par rapport au... Enfin bon, ça découle quand même de ce qu'on a dit, hein, et de ce que dit l'Église. Je parle de la situation actuelle, hein. Je n'ai pas vérifié si la... maintenant, on a peut-être fait des efforts, oui, en mettant des gens parfois dans l'éducation nationale, des gens qui avaient une certaine expérience, enfin, il faut voir. Et les professeurs de l'enseignement d'État, qui en général sont partisans de la formule enseignement d'État, sont les premiers à se plaindre de cette mainmise de l'État qui veut tout imposer. Troisièmement, le troisième inconvénient de cet enseignement d'État est de rendre l'enseignement dépendant des fluctuations de la politique, alors que l'enseignement a besoin de continuité, de stabilité. Ah, et ça, c'est encore vrai aujourd'hui. Hein. On change facilement de ministre. L'inconvénient est d'autant plus dommageable que la politique est plus instable. Par exemple, chaque changement de ministre, qui souvent n'a pas une profession qui le rende compétent en matière d'éducation ou d'enseignement, risque d'entraîner avec sa venue un changement d'horaire, de programme et de méthode. Il y a quelques dizaines d'années, bon, avec un peu plus, les programmes duraient assez longtemps, mais on a connu des temps pas très éloignés où c'était pratiquement tous les ans, quand ce n'était pas tous les 6 mois, qu'on changeait les horaires, les programmes et les méthodes, au point que les critiqueurs de manuels scolaires ne savaient plus comment faire. On ne parle pas des capitaux engagés pour inventer un manuel, qui était régulièrement mis à la poubelle avec les manuels, quand ceux-ci n'étaient plus utilisables. L'instabilité dans l'enseignement, à quelque période que ce soit, est très inquiétante. Voilà. Voilà pour l'enseignement d'État. À bientôt pour la prochaine vidéo, la troisième partie. Merci de votre attention.